Yo les gars, c'est Wijik, j'espère que vous allez bien, moi ça va au top. Aujourd'hui les potes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars sur FUT18. Donc aujourd'hui on va jouer deux matchs en ligne les gars, mais pas avec n'importe quel joueur. Aujourd'hui on va jouer deux matchs en ligne avec Ronaldo R9. Donc voilà, tout simplement parce que je l'ai en prêt pendant 10 matchs. Donc là je l'ai en prêt plus que pendant 8 matchs parce que j'avais joué deux matchs avec lui en clash d'équipe comme ça pour le tester. Mais bon, c'était en clash d'équipe, c'était pas en ligne. Donc on va jouer en saison. Donc oui, je sais les gars, je suis en division 9, c'est vrai que cette année les gars, je joue pas beaucoup en saison, tout simplement parce qu'il y a déjà le mode clash d'équipe, le week-end il y a FUT Champion, 40 matchs à jouer quand même, donc c'est vrai que je prends pas trop le temps de jouer en division. Voilà, donc pour le moment mon bilan c'est 6 victoires, 2 nuls et 0 défaites, on va essayer de rester invaincu. Et puis je vais vous présenter tout de suite l'équipe les gars, donc là voilà, donc j'ai mis Ronaldo tout simplement en pointe à la place de Gabriel Jesus. Voilà, c'est pas une équipe de folie, c'est ma BPL. D'ailleurs, je compte bientôt changer. Je suis en train de me... En ce moment, j'essaye de me faire des crédits. Donc, on va regarder vite fait ses stats. Donc, comme vous pouvez le voir, j'avais joué deux matchs. Il avait marqué deux buts. Donc, plutôt décisif. Il avait fait une passe décisive. Après, voilà, bon, bah, sa carte, les gars, rien à dire. Hein, une carte de folie. Juste son rendement en attaque moyen. On va voir ce que ça va donner. En tout cas, 5 étoiles de mauvais pied. 5 étoiles de geste technique. 97 de vitesse. 95 de tir. 80 de passes, 95 de dribble, 45 de défense et 76 de physique. Donc je l'ai eu en prêt grâce à l'édition icône, hein, bien sûr. Et puis ben voilà les gars, on va pouvoir tout de suite commencer et chercher un adversaire. Allez, on a trouvé un adversaire, Hobnob. Donc voilà son équipe les gars, on va la découvrir. Alors donc, il a une BPL, hein, il a une BPL, Sané, Mané, Salah. Voilà, une bonne petite BPL, pardon. Par contre, il a que 3 défenseurs, c'est chaud quand même sur le 18. Moi, je jouerai pas avec 3 défenseurs, mais bonne petite équipe pour quelqu'un en division 9. Alors, on est bien rentré dans ce match. Voilà, belle passe pour Sterling, et le premier but magnifique, frappe croisée de Sterling sur une passe de Ronaldo. Donc passe décisive pour lui. Et but de Sterling, ça fait 1-0 les gars pour ce début de match. Il faut continuer comme ça. Il est parti Ronaldo. Et le but de Ronaldo. Premier but pour lui. Enfin non, oui, premier but dans ce match pour lui. Une passe décisive, un but au bout de 9 minutes de jeu les gars. Pour le moment, c'est parfait. Ouais, reviens. Ouais, pour Ronaldo. Boum. Et le doublé les gars, il est énorme, il fait des appels de folie les gars, il a une frappe de folie, 3-0 au bout de 12 minutes, est-ce que le gars va quitter, parce que quand même au bout de 12 minutes, 3-0, c'est chaud, il est passé, est-ce qu'il va avoir sa première action, oh là là les gars, il m'a balayé les gars, il m'a fait son geste tout le long et il finit par marquer, je suis bête, c'est un... Joli beat de sa part, mais bon, j'ai été con, j'aurais pu mieux défendre sur ce coup-là. Ouais, tu l'as vu. Boum, la frappe et le quatrième but, je pensais pas qu'elle allait être au fond. Encore sur une passe décisive de Ronaldo, les gars. Magnifique. Ça fait 4-1. Et ouais. Il est encore parti. Et le petit lob. Oh là là, magnifique. Oh là là, ça rentre pas, quel dommage. Oh là là, par contre celle-là au fond. Triplé de Ronaldo les gars, fin de frappe et frappe derrière. Ça fait 5-1, triplé et deux passes décisives pour lui. Énorme. Bon, l'adversaire en face c'est pas top non plus, mais bon, ça me permet de m'amuser un peu. Ça change un peu de FUT Champion quoi. Allez, belle interception. Il est parti. La belle passe. Allez Ronaldo. Oh là 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 là. Boum. Et boum, et le sixième les gars, quadruplé de Ronaldo, magnifique, 6-1, je comprends pas pourquoi l'adversaire quitte pas les gars, surtout qu'il joue même plus, il s'amuse à faire des gestes techniques dans le vide. Mi-temps les gars donc, pour le moment 6-1, on domine complètement le match, 4 buts de Ronaldo, 2 passes décisives, y a rien à dire sur ce match là les gars, regardez, 4 buts, 11 tirs, il a été sur tous les buts, hein. Il a été sur tous les ballons même. Voilà, énorme. Donc voilà les stats les gars, 15 tirs, 12 cadrés, 1 tir pour lui, on a la possession, on a tout. Hein. Boum. Oh là là, et le 7ème, quintuplé de Ronaldo, rien à dire.
Il a une frappe magnifique. 7-1 les potes. Et la tête, oh là là, tête de Matic les gars. Ça fait 8-1, c'est pas Ronaldo qui marque. Allez, 8-1 les potes. Oh là là, le poteau. Oh là là, trop dommage. Oh là là, quelle frappe. Oh là là, la frappe qu'il a envoyée, quoi. Allez, on l'a. Oh, il va aller nous mettre un but. Il va aller nous mettre un but, les gars. Belle reprise de volée de ça, là. Allez, fin du match, les gars. Donc, victoire, 8 buts à 2. Avec 5 buts de Ronaldo, 2 passes décisives pour lui et un but de Matic. Énorme Ronaldo dans ce match. L'adversaire était pas top, hein, mais bon, c'est voilà, il a mis des beaux buts, Ronaldo, quand même. Il a une sacrée frappe, quand même. Et il fait de très très beaux appels. On va voir ce que ça va donner pour le deuxième match en espérant tomber sur un adversaire un peu plus compétitif. Et puis, bah, allez, on enchaîne tout de suite avec le deuxième match. On se retrouve dès que j'ai trouvé un adversaire, les gars. Allez, les gars, c'est parti pour le deuxième match. Donc voilà l'équipe, j'avais encore oublié de désactiver mon micro. Voilà la deuxième équipe qu'on va affronter. Donc c'est une Liga, belle Liga, avec du Carrasco, du Asensio, du Cazorla. Il a aussi de la BPL, pardon, j'avais pas fait gaffe. Belle équipe, 184 de notes. Allez les gars, deuxième match, j'espère qu'on va faire aussi bien que le premier. On va voir ça tout de suite. Il est parti tout seul, maminé. Oh là là, frappe complètement loupée. Complètement loupé, je sais pas ce qu'il m'a fait. Ouais. Ronaldo. Boum. Ah ouais, j'étais obligé. J'aurais pu la décaler à Mané, les gars, mais je préfère faire marquer Ronaldo puisque c'est le joueur de cette vidéo. Allez, 1-0, les gars. C'est son 7ème but en 2 matchs. Magnifique. Non, son 6ème but en 2 matchs, pardon. Attention à pas s'en prendre. Oh là là. Super parade de Johar. Super parade de Johar. Oh là là. Mané. Il fait une grosse erreur. L'adversaire fait une énorme erreur là de jouer comme ça avec son défenseur. Ça fait 2-0, but de Sadio Mané, les gars. Ah, il va aller m'en mettre un. Oh, ah si, il va aller me le mettre. Malheureusement, ça lui revient dans les pieds. 2-1, les gars, la 13ème minute. Déjà 3 buts en 13 minutes. Allez, Ronaldo. Ouais, t'as vu Sterling. Sterling est le 3ème but. 3ème but, but de Sterling sur une passe décisive de Ronaldo. J'aurais pu y aller avec Ronaldo, mais bon, je voulais m'assurer le 3-1, faire le break. Même si, bon, je pense que je l'aurais mise avec Ronaldo. Allez, t'es reparti. Ouais, il est parti, Roro. Et il va tenter le petit lob qui passe. Magnifique, les gars, 4-1. Et là, par contre, à mon avis, les gars, il va quitter. Doublé de Ronaldo avant la fin du match, puisque ouais, c'est pratiquement sûr qu'il va quitter. Voilà les gars, donc deuxième victoire, 2 matchs, 2 victoires, et normalement je passe en division 8. Je suis donc toujours 3316 crédits, ça fait plaisir. Et donc je suis toujours invaincu dans cette division. Voilà, titre remporté. Donc voilà les potes, petite vidéo courte, voilà, où on joue des petits matchs avec un très très bon joueur. Donc voilà, il aura fait 2 matchs, on va quand même regarder un peu ses petits stats après ces 2 matchs. Donc il avait déjà marqué 2 buts, donc il a marqué 8 buts au total et il a fait 3 passes décisives. Donc 8 buts et 3 passes décisives en 2 matchs, hein, et surtout que le deuxième, au bout de 40 minutes, le mec quitte, sinon on aurait peut-être pu en mettre plus. Voilà les gars, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous en voulez d'autres, les gars, des petites vidéos comme ça où je teste un joueur, où je base ma vidéo autour d'un joueur, j'essaye de marquer des buts avec ça, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésite pas aussi à lâcher un petit pouce bleu si cette vidéo t'a plu et à t'abonner, ça me fait plaisir et ça m'encourage. Et puis sur ce, les gars, je vous dis à très très vite. Allez, ciao ciao.